Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Wow, un Happy Meal! Quoi? Quelle horreur! Ces frites sont délicieuses, je les adore! C'est tout simplement merveilleux! Mais quel goût ont-elles? Elles sont si délicieuses! On en redemande! Je pourrais mettre des frites dans la fontaine de chocolat? Je me demande quel goût ont les frites au chocolat! Ça doit être génial! Oh, c'est trop bon! Un goût exquis! Et pourquoi ne pas plonger tout le paquet d'un coup? Et maintenant, j'ai des frites au chocolat! Miam! Oh, c'est vraiment impoli! C'est fini! C'était trop bon! Tu as mangé tout? Non, j'ai encore un burger et je vais aussi le tremper dans le chocolat! C'est tellement bon! Un burger au chocolat! Trop bon! Tellement délicieux! C'est incroyable! Je sais pas m'arrêter! Oh, tu as de la chance! Moi, j'ai des pâtes dégoûtantes! Allez, mange-les! Bien sûr qu'elles soient dégoûtantes ou non, elles sont amusantes! Je vais jouer avec! Oh, c'est trop bien! Oh non! Enlève ces trucs de ma tête! C'est horrible! Voici la fontaine! Allez, mange! D'accord, je vais les manger, ces pâtes de poulet dégoûtantes. J'espère que le chocolat améliorera un peu leur goût. Oh non! Oh, Berk! Oh, c'est vraiment dégueu! Comment t'as pu? Je me demande ce que j'ai. Oh non! Quelle déception! Qu'est-ce que j'ai? Oh, une sucette géante! J'adore les énormes sucettes! Je vais la plonger entièrement dans le chocolat! Du caramel avec du chocolat! C'est tellement génial! Très savoureux! Mais il manque quelque chose! Oh, je sais! Bien sûr! Des petites décorations! Je vais les tremper entièrement comme ça et lécher le caramel! Oh, c'est trop cool! Oh, regarde! Qu'est-ce qu'il y a, là? Je vais faire ça tout de suite. Je vais verser du citron sur sa sucette. Il n'y a rien là-bas. Pourquoi tu dis ça? Oh, quel goût dégoûtant! Mais qu'est-ce que c'est? Tu as fait ça? Allez, mange tes citrons, toi. Ok, j'ai pas envie, mais je vais les manger. Oh, c'est tellement acide! J'espère que le chocolat améliorera leur goût. Ou peut-être pas. Je ne pense pas que ce sera bon, mais je suis prête. Oh, les citrons sont super acides! J'en suis toute retournée! C'est un tel cauchemar! Ils sont tellement affreux! Mais je vais quand même manger celui-ci. Allez, le suivant! Il n'en reste qu'un! Oh. Et moi, j'ai fini ma sucette. Elle était assez délicieuse. De plus, elle a du chewing-gum à l'intérieur. Ah, ça, c'est marrant! Laisse-moi ouvrir le mien. Bah, du poisson qui pue! Mais quel cauchemar! Je ne mangerai pas de poisson! J'espère que j'ai quelque chose de bon. Oh oui, un hot dog! Excellent! Je vais le prendre très discrètement, donne-le-moi. Non, mange ton poisson dégoûtant, toi. Il est complètement cru, ça sent tellement mauvais. Oh, quel cauchemar! Quelle odeur horrible! Oh, j'ai trouvé quelque chose! Une pince à linge! Je vais me boucher le nez avec cette pince à linge pendant qu'elle mange du poisson. Je vais le tremper dans la fontaine. Mais le poisson avec du chocolat, c'est quelque chose! Oh, je vais le goûter, mais je vais prendre qu'une petite bouchée. Ah, c'est horrible, je vais juste le manger en entier. Oh, c'est dégueulasse. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh non! Berk! Cette horrible colonne vertébrale sur ma tête! Berk! Pourquoi tu as fait ça? Bon, allez, oublions. Maintenant, je vais tremper mon hot dog dans le chocolat. Ça devrait être très bon. Je vais le manger en entier aussi, comme toi avec ton poisson. Mais je n'en retirerai qu'un immense plaisir. Oh, c'est trop bon! Trop, trop bon! Ah, oh, j'aurais espéré pas avoir vu ça. C'est tellement indécent. Oh my god! Allez, ouvre-le! Oh non!
au citron et des huîtres. Les huîtres au chocolat, c'est horrible, ça. Et toi, tu as quoi? Oh ouais, j'ai des guimauves. La combinaison parfaite des guimauves au chocolat, avec des petites décorations. C'est ce qu'il me faut. Allez, on en met un peu sur le dessus. Waouh! Oh, c'est trop bon! C'est fantastique! À ton tour maintenant. Oh, c'est dégueu! D'accord, je vais le tremper dans le chocolat. Peut-être que ça aura un meilleur goût, mais c'est quand même horrible. Ok, je dois les manger maintenant. Waouh! Je vais m'évanouir, c'est dégueu! Super, allez, continue de manger. D'accord, je vais en mettre deux sous la fontaine d'un coup. Je veux me débarrasser au plus vite de ce truc dégoûtant dans ma bouche. Eh bien, j'ai probablement jamais mangé autant de saleté. Oh, c'est vraiment pas bon. Je peux plus en manger, c'est dégueulasse. Et toi? J'ai déjà fini les miennes. Alors? Oh non! Encore un truc dégueu, c'est de l'oignon. Pas de chance du tout. Et toi, tu as quoi? Voyons voir ce que j'ai, moi. Oh, de délicieux biscuits avec des M&M's. Merveilleux. Ils sentent trop bon, mais quelle bonne odeur. Je vais tremper un biscuit dans le chocolat. Voyons quel goût j'obtiens. Oh, c'est sucré. C'est trop bon. Donne-en, s'il te plaît. Non, maintenant tu manges ton oignon et je vais savourer ce délicieux biscuit. Maintenant, je vais faire comme ça. Je vais les tremper immédiatement dans le chocolat. C'est trop bien. J'adore ce goût. C'est un véritable festin. J'aimerais aussi quelque chose comme ça, moi. Je suppose que je vais devoir manger mon oignon. Oh, ça pue. Oh, peut-être que je vais juste lécher le chocolat qui est sur le dessus de l'oignon. Allez, je vais croquer dedans, d'accord. Waouh, c'est dégueulasse. Oh, je vais pleurer. Allez, prends des mouchoirs, tiens. Merci. Ils sont très utiles. Allez, c'est parti, c'est vraiment terrible. Le chocolat n'a pas aidé du tout. Berk. Oh. Qu'est-ce que c'est? Tu vas bien? Que se passe-t-il? Oh, désolée, je pensais pas que ça arriverait. Waouh, les filles, je n'ai jamais vu autant de bonbons gélifiés. Dommage qu'Emma ait obtenu un seul bonbon gélifié, elle. Ne sois pas déçue, je suis sûre qu'il sera le plus délicieux de tous. Arrête de rire, toi, la geek. Tiens ça. Et quoi? On n'a pas le droit de rire ici? Oh, il faut donner une leçon à Emma. Exactement. J'ai une idée pour une super blague. On va juste se maquiller un peu, mettre un peu de ketchup sur son œil et un bonbon gélifié et les autres penseront que c'est réel. Emma, j'ai un petit problème. Oh non! Mon œil a sauté, que faire? Quel cauchemar, c'est ton œil, vraiment? Retire-le, retire-le! J'ai une méthode infaillible. On me l'a apprise lors des cours de secourisme. Hourra, ça a marché. Comment tu te sens? Mes bonbons préférés. Ils sont tellement sucrés que je pourrais les manger pendant des jours. Et c'est quoi ça? Oh mon Dieu, un œil! Oh là là, les filles, c'était amusant, mais Lily aurait pu se blesser. Ne faites plus de farce comme ça. Emma, mange rapidement ton œil en bonbon. Il est délicieux. Dommage qu'il n'y en ait qu'un. Qui est le suivant? Lily? Pas de problème. J'ai même 10 yeux en bonbon, moi. Je me demande combien je peux en mettre dans ma bouche. Waouh, ils sortent tous. Il ne reste que le dernier. Comment chier avec un œil rouge ouvert? Ah, j'ai tout mangé. Phoebe, tu peux commencer. Enfin, on m'attendait déjà pour 100 yeux en bonbon. Quelle délicatesse. Désolée, je les ai tous mangés. Et ça, c'est quoi? D'où viennent ces yeux supplémentaires? On nous a pas enseigné ça en biologie. Cette fois-ci, Lily a eu moins de chance. Elle n'a qu'un Twix, mais il est aussi délicieux que les autres. Waouh, Lily, tu t'es jetée sur la barre chocolatée, toi. As-tu faim?
Oh, on dirait que Phoebe a été touchée, ou plutôt emballée par Lily. Oh, j'ai une idée sur comment manger mon Twix. Je peux le découper en petits morceaux avec ma nouvelle tronçonneuse. Mon père me l'a offert pour mon anniversaire, c'est cool, non? Super, je vais pouvoir manger mon Twix pendant très longtemps. Il ne reste qu'un tout petit peu, c'est fait. Oh, désolé. Il faut le manger rapidement avant que ça ne fonde. C'est délicieux. Pourquoi vous regardez comme ça? Allez, mangez! Pas de problème, j'ai eu 10 Twix. Ce sera mes chocolats préférés. Maintenant, débarrassons-nous des emballages superflus et commençons à dévorer ces délices sucrés. C'est bon! On se léchera les doigts. Mais... Oh, j'ai une idée! Regardez, j'ai une petite bouteille de lait. Oh, désolée Phoebe, t'es encore touchée? Retire ta tête. Je vais dissoudre les barres de chocolat dans le lait pour obtenir du lait au goût de Twix. N'est-ce pas une super idée? Maintenant, j'ai du lait au chocolat et plein de barres. C'est le dîner parfait. C'est délicieux. Voilà. Voilà, j'ai fini. Phoebe, allez, tu es la suivante. Hourra, c'est à moi. Je vais déchirer tout l'emballage, comme ça ira plus vite. Super, maintenant j'ai une idée géniale. Pas de jeu, pas de nourriture. Mon père est un constructeur et je suis tout comme lui. Je l'ai souvent vu construire de très hauts bâtiments et je veux faire pareil. J'ai du Nutella et beaucoup de Twix. Waouh, c'est tellement haut. Je vais y arriver, regardez. C'est une vraie tour. Encore quelques Twix et ce sera prêt. Les filles, vous avez quelque chose en tête? Oh, et Phoebe, vous a-t-elle donné la permission? Oh, les gourmands ont attaqué le bâtiment de Phoebe. Oh, voilà qu'il s'effondre. Et moi aussi, je tombe. Non, non, je ne veux pas tomber, ça fait mal. Je regardais, je suis un oiseau et... Oh non, je ne suis pas un oiseau, c'est effrayant. Oh, je suis déjà fatiguée. Oh, je vois le sol. Aïe! Lily, Emma, vous avez cassé mon bâtiment. Je suis tombée, mais le casque m'a protégée. Oh, c'est un mur entier de Springles. Et Emma a une toute petite puce. C'est triste, mais Emma, tu dois la manger très élégamment. Accorde-lui plus d'attention. Goûte toute la saveur. Pour la manger, il me faut une loupe et une petite pince. Il sera beaucoup plus facile de la manger. C'est une toute petite chips. Essayons. C'est délicieux. Phoebe, allez, continue. Hourra, j'ai un petit paquet de Springles. Je vais le manger tout en entier. Mais d'abord, il faut l'ouvrir. C'est difficile à ouvrir, j'ai besoin d'un plan. Exactement, cette scie va m'aider à ouvrir l'emballage beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est ouvert. Tout le monde est prêt pour une dégustation extrême? Allons-y. Je vais attraper tous les Pringles. Aucun ne sera épargné. Hop! Et voilà, c'était le dernier. Je crois que je tombe. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas avec Phoebe, mais ça ne nous empêchera pas de continuer. J'ai quand même 100 paquets complets. Je vais m'en sortir rapidement. Qui sont bons ces chips? Je ne peux pas m'arrêter. Moins 2 paquets. Oh, désolée Phoebe. Et un autre. Que se passe-t-il si j'en prends 2? Oh, c'est génial. Oh non, elle va encore me toucher. Oh, le casque, c'est une super idée. La dernière fois, il a vraiment bien aidé Phoebe. Que se passe-t-il? Aïe, ma tête me fait mal. Emma, pourquoi Lily lance-t-elle des paquets? J'ai perdu connaissance plusieurs fois. J'ai une idée, il faut détruire ce mur. Allez, c'est parti. Oh non. Oh, je me suis fait quelques bosses. Les filles, je ne peux pas me lever. Je suis écrasée par les chips. Oh, les chips venaient dans ma bouche. Vous ne voulez pas que je vous mange? Oh, c'est dégoûtant. Du brocoli. Qui a pu inventer ça? Lily, tu as beaucoup de chance, toi. Tu n'en as eu qu'un tout petit. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a aucun goût. En fait, c'est même dégoûtant. Oh, je sais quoi faire. Je dois l'enterrer, ce petit. Oh, plutôt le planter. Ma grand-mère m'a appris. Maintenant, je vais faire pousser un bel arbre. J'espère qu'il portera de bons bonbons. Oh, Lily, tu es sur le point d'enterrer Emma et Phoebe. Tu devrais faire attention.
Bon, d'accord. Regardons ce que tu vas faire pousser, là. Et combien de temps il faudra attendre? Longtemps? Les arbres mettent longtemps habituellement à pousser. Phoebe, allez, continue. Moi, honnêtement, je n'en ai pas très envie. Je n'aime pas le brocoli. Berk, il sent mauvais en plus. Il me faut quelque chose de délicieux à boire, vite. What? Oh, de l'eau. Bien sûr, j'ai oublié qu'il fallait arroser la graine pour que l'arbre pousse. Je suis si bête. Tout va bien maintenant. Il suffit juste d'attendre encore un peu. Oh non, mais que se passe-t-il? Que faire, les filles? J'ai peur. C'est du brocoli. Où sont les friandises? Je ne peux pas manger du brocoli, moi. Oh, mais ça a l'air cool. Quoi? Il faut le manger? Ah, c'est dégoûtant. Oh, j'en ai la nausée. Allez, à toi, maintenant. Bon, allez. Peu importe, je vais penser à quelque chose. Regardez là-bas. Oui, oui, regardez mieux. J'ai vu une licorne là-bas. Quoi? Emma, tu triches! On va apprendre à Emma. Allez, lance! J'attrape tout. Et aussi du brocoli, je l'attrape aussi. Les filles, j'ai tout mangé, c'était vraiment délicieux. Emma, une petite surprise pour toi. Tu as laissé échapper un peu de brocoli ici. Tu en veux? Oh non, du brocoli qui pue! Bonjour! Quoi? Mais que pensez-vous? Amener un serpent? J'ai une peur panique des serpents! Sortez immédiatement de l'hôpital! Dépêchez-vous! Quoi? Ça veut dire que moi non plus, on me laissera pas rentrer avec mes escargots! Salut, Justine! Aujourd'hui, ta soupe préférée pour le déjeuner, à plus! Oh, cette cuisinière m'a donné une super idée pour amener mes chers escargots! Il me suffit juste de me déguiser en cuisinière et de cacher mes chers amis sous une cloche! Comme si c'était le déjeuner des patients. Restez bien ici, mes amis, et soyez sages. Bon, il est temps d'aller me changer. Oh, la tenue me va même super bien. Allez, allons-y. Bonjour, c'est l'heure du déjeuner. Je peux y aller? Oui, bien sûr, allez-y. J'en étais où? Oh, vous avez enfin apporté le déjeuner? Un petit moment. Et voici, tu vas goûter à des merveilles, ma chérie. J'ai une bouillie incroyablement délicieuse pour toi. Tu peux t'y attaquer tout de suite. Y aura-t-il quelque chose de plus comestible que juste de la bouillie? Pour vous, j'ai un plat spécial. Que diriez-vous d'escargot? Ah, je rigole. Je ne vous offenserai jamais, mes chéries. Oh, merci, madame, de m'avoir laissé passer. Oh, qu'est-ce que vous avez un joli bébé? Puis-je jeter un coup d'œil? J'ai un jouet pour lui. Allons jouer avec lui. Vous aimez les mignons? Quoi? Pourquoi votre enfant ressemble-t-il à un petit singe? Oups! C'est totalement interdit chez nous d'amener des animaux. Sortez tout de suite. Je m'excuse. J'ai dû confondre par accident que nous n'étions pas au zoo. Oh mon Dieu! Mais quelle est cette belle patiente qui est arrivée chez nous? Je ne peux pas détourner le regard d'elle. Elle est tellement incroyable que c'est gênant de la fixer. Merci de m'avoir laissé passer devant vous, les gars. Je vous envoie un baiser volant. Prenez-le. Oh, je l'ai reçu. Rentrer à l'hôpital n'a jamais été aussi facile. Oh, sainte grand-mère! Quelle est cette déesse qui est descendue dans ma chambre? Étrangement, aujourd'hui, il y a trop d'attention pour moi. Alors j'ai juste décidé d'amener mes petits animaux à l'hôpital pour ne pas me sentir seule pendant mon traitement. Au fait, parlons de mes amis bien-aimés. Les voici! Ce sont mes adorables hamsters! Regardez comme ils sont mignons! Oh, ça ne va pas du tout! Je ne vais pas rester dans la même chambre que cette folle! Pourquoi aurais-je besoin de tes hamsters? Hé, hey, attendez un peu, vous n'avez pas vu qu'on ne peut pas amener des animaux? Laissez cette souris ici. Comment avez-vous pensé qu'on peut amener ça à l'hôpital? Oh, il n'est pas question que je me sépare de mes adorables cafards. Il faut que je trouve rapidement une solution. Oh, j'ai une idée brillante. Je vais bander ce pot et faire comme si j'avais une bosse sur la tête. Bonjour, je m'appelle Rachel et j'ai une grosse bosse sur la tête. S'il vous plaît, aidez-moi. Je dois aller chez le docteur. Bien sûr, allez-y, c'est par là. Bonjour, ma chère voisine.
Bonjour, je m'appelle Rachel. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as une blessure sur la tête? Oh, tu parles de ça? C'est rien du tout. Ce sont juste mes amis. Je vais te montrer. Allez, regarde, je te montre. Regarde, ce sont des petits cafards. Des cafards! Ils sont très gentils. Bon, comme tu as ta main blessée, je vais te les mettre ici. Voilà. S'il te plaît, arrête ça! Une minute, s'il vous plaît. Jamais avec des animaux chez nous. Mon petit chou, ne sois pas offensé. C'est juste un homme très méchant. Hey, Pop-Pop, attendez. Je n'ai pas d'animaux. Vous voyez pas, j'ai juste la main cassée. Ok, allez-y. Ma petite souris, je ne peux pas te laisser ici. Oh, j'ai une super idée. Je peux te faire passer par les conduits de ventilation. Tu pourras te faufiler à travers les tuyaux et finir par arriver jusqu'à moi. Allez, viens! Bonjour, j'ai un rendez-vous. Et vous avez mué où, votre souris? Montrez-moi votre sac. Voilà, s'il vous plaît. Bon, allez-y alors. Hourra, j'y suis arrivée! Bonjour, s'il vous plaît, ne dites rien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ma petite souris, viens ici, j'ai quelque chose pour toi. Regarde, c'est un fromage que tu adores. Allez, viens ici, mon petit chou. Oh, très bien, tu m'as trouvé. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les souris. S'il vous plaît, enlève-la tout de suite. Ma chérie, ne l'écoute pas. Elle n'est pas gentille du tout. Tu es très mignonne. Bonjour. Ne me dites pas que vous pensez faire passer cet animal à l'hôpital. C'est interdit. Donnez-moi cet horrible rongeur et allez voir le médecin dans le couloir. Lui sera dans une cage et vous, vous irez chez le médecin. Quoi? Comment ça? On ne peut pas amener des poissons? Mais comment est-ce possible? Je vais devoir le laisser quelque part. Ah, j'ai une idée. Je vais vous transférer dans des perfusions. Comme ça, ça vous aidera à passer inaperçu. C'est prêt. Maintenant, on peut y aller. Allez, c'est parti. Waouh, j'entends mon rythme cardiaque. Et si je souffle? Oh, c'était fort. Bonjour, vous avez une perfusion? Allez, oui, passez, passez. Oh, super, j'y suis arrivée. Cool. Grand-mère, je suis venue te rendre visite. Oh, comme je suis contente de te voir. Regarde, je t'ai tricoté un pull. Oh, comme c'est gentil, tu m'as fait un pull, mais c'est pas vraiment mon style, en fait. Et qu'est-ce que tu as, là? Une perfusion? Attends, je te montre tout de suite. Je vais te montrer ce qu'il y a dedans. J'ai réussi à prendre mes poissons avec moi. Dory et Lori. Oh, comme je suis contente de les voir. Oh, comme j'ai mal à la gorge. Il faut de l'eau. Oh, comme c'est bon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un poisson? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis un poisson dans mon verre. Bonjour. Une minute, s'il vous plaît. Vous n'avez pas vu le signe? Pas d'animaux. Au revoir, mon petit ami. Je reviens tout de suite. Oh, man! On ne peut pas prendre des animaux? Mais où est-ce que je vais mettre mon chat? Ah, j'ai une idée. Dans cette situation, je vais le mettre en dessous de mon pull. Comme si j'étais enceinte. Bonjour. Quoi? Attendez. Je dois écouter le cœur de votre bébé. Permettez-moi. Je pense que vous êtes en stade final. Vous allez bientôt accoucher, c'est ça? Oh, j'entends ronronner. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez un chat? Je le savais. Il ne faut pas me tromper. Pas d'animaux. Oh, je suis encore en train de rêver que je suis au travail. Et hop! Pas de rongeur, vous avez pas vu le signe? Rendez-le, mademoiselle. Ah non, je ne donnerai pas mon iguane, c'est hors de question. Il faut penser à un truc. Ah, j'ai trouvé! Je vais mettre mon ami vert sous un foulard. Et je vais le cacher, personne ne remarquera rien. Oh, comme j'ai vraiment mal à la gorge. Et où allez-vous comme ça? Vous pensez vraiment que je vais être dupe de cette farce? Je savais que vous aviez un animal sous votre écharpe. Pas d'animaux ici, donnez-moi ça tout de suite. Vous le reprendrez en sortant.
Vous êtes vraiment complètement fous avec vos animaux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux ouvrir la première, s'il vous plaît? Oh, qu'est-ce que c'est génial! Je vais essayer tout de suite. Oh, il y a des nouilles à l'intérieur. Trop bien! Je vais essayer tout de suite en roulant un peu plus les baguettes. Oh, c'est délicieux, les filles! Les filles, c'est incroyablement bon! Je suis prête à manger toutes ces nouilles toute seule! C'était vraiment très bon! Et quoi, les filles, vous attendez quoi pour ouvrir le vôtre? Allez, au suivant! Voyons voir ce qui m'attend! Quoi? De la sauce piquante Tabasco? Pourquoi je n'ai pas eu quelque chose de délicieux, moi? Bon, essayons juste une goutte! Oh, ça brûle! Oh, merci, les filles, vous m'avez aidée! Maintenant, c'est au tour de Chris! Hourra! Qu'est-ce que je vais avoir? C'est une boule de neige! Intéressant! Qu'est-ce qu'elle peut faire? Oh, tout gèle autour! Je n'en veux pas non plus! Oh, cette boule de neige est pour moi? Super! Elle est si belle! Oh non, que se passe-t-il? Non, elle gèle! Je l'ai cassée! Pourquoi fait-il aussi froid? Oh, mais quel cauchemar, les filles! Les filles sont gelées! Il faut résoudre d'une manière ou d'une autre! Bien sûr! Je vais boire plus de Tabasco, alors je pourrai certainement dégeler mes amis! Oh, le feu arrive! Ça brûle tellement! Bon, Chris va fondre! Et maintenant, Annie! Maintenant, aidez-moi! Aidez-moi! Oh, j'ai une idée! Je vais essorer mes cheveux et mettre de l'eau! Voilà! S'il te plaît! C'est fait! Merci les filles, que ferais-je sans vous? Maintenant, c'est à mon tour d'ouvrir le coffre. Je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? De l'oignon? Mais quelle horreur! Bon, il n'y a rien à faire, il va bien falloir le manger. Oh, je déteste ça, c'est horrible. Je crois que je vais pleurer. Bon allez, il faut que je me dépêche de le manger. Oh, désolée, ça sent pas la rose, hein? Mais vous m'avez forcé à manger tout l'oignon. Nous allons régler ce problème. Reste tranquille. Maintenant, je vais voir ce qu'il y a dans mon coffre-fort. Qu'est-ce que je vais avoir? Waouh, c'est un gâteau! Il est si beau et si appétissant. Je le coupe. Une grosse part pour moi. J'ai hâte de goûter. Oh, c'est vraiment bon! Incroyable! Eh bien, elle ne va pas partager avec nous! Laisse-moi ouvrir le coffre-fort! Oh! J'ai eu une bouteille étrange! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça ressemble à une belle poudre dorée! Waouh! Tout devient flou! Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Chris? Ah, mais c'est de la poudre soporifique! Compris! Chris s'est endormi! Réveille-toi, la dormeuse! Allez! Elle dort comme un loir! Oh, j'ai une idée! Je vais la réveiller avec ma mauvaise odeur! Réveille-toi, Chris! Quoi? Où suis-je? Ça sent vraiment mauvais! De rien, c'est de la poudre soporifique! Allons endormir, Annie! Parfait! Elle va sûrement prendre la rose et vouloir la sentir! Annie, c'est pour toi! Vraiment? Pour moi? Mais si, les filles! Oh, ça sent si bon! Oh, je somnole! C'est fait! Lève-toi et nous prendrons le gâteau! Oups! Mais l'essentiel, c'est que le gâteau soit avec nous! Les filles, ça vous dérange si j'ouvre en premier? Hourra! J'ai tellement hâte de voir ce que j'ai! Oh! C'est quelque chose d'étrange! Ça ressemble à une sorte de chaudron! Bon, on verra plus tard! Alors, Karima, on va voir! Waouh! J'ai un énorme Kinder! C'est tellement cool! Ça a l'air vraiment génial! Et c'est incroyablement bon! Je ne veux pas partager avec vous! Oh! Il y a même un jouet à l'intérieur! C'est trop cool! Quoi? Un ours en peluche? Annie, prends-le! Je préfère le chocolat au stupide peluche! L'ours peut rester ici! Oh là là! Quelque chose se passe! Waouh! Maintenant, c'est un ours en guimauve! Oh, c'est tellement délicieux! Les filles, mon chandron a fait de la nourriture en guimauve! C'est tellement cool! Je pense qu'il est temps d'ouvrir le coffre-fort de Chris! Je suis tellement curieuse! Quoi? Du fromage bleu? Il sent tellement mauvais! C'est horrible! Et comment je suis censée le manger? Il est tellement dégoûtant! Berk! Je ne peux pas! Annie, est-ce que je pourrais emprunter ton chaudron? Oh, merci, tu es la meilleure! Mettons le fromage dans le chaudron!
Waouh! Et je vais sortir un morceau de gâteau. Génial, j'adore ça. Délicieux. Oh, je ne peux pas m'arrêter de le manger. C'est trop bon. Non, les filles, ne me filmez pas. Mais pourquoi? Alors, je prends ton téléphone. Oh non! Mon téléphone est devenu un téléphone en chocolat. Cela va certainement recueillir des millions de likes. Il y avait une vidéo légendaire avec des millions de vues dessus. Qui veut ouvrir maintenant? Chris, ne regarde pas. Tu ferais mieux d'ouvrir ton coffre. D'accord, qu'est-ce que j'ai? Oh, des citrons! Mais quelle horreur! Je ne veux pas manger cette chose acide. Burke, ça me donne des frissons rien que d'y penser. Vous trouvez ça drôle de me voir faire la grimace? Bon, allez, ça suffit de se moquer de moi maintenant. On ferait mieux de regarder ce que Emma a dans son coffre. Pas de problème, regardons. Waouh, j'ai un milkshake incroyable, ça a l'air somptueux. Il a l'air tellement délicieux. Pourquoi vous êtes ici? Partez! Ce milkshake ne suffira pas pour nous trois. Bon, allez, je vais ouvrir mon coffre. Qu'est-ce que j'ai? Oh, ce sont des montres anciennes. Bon, voyons voir. Que se passe-t-il si j'appuie sur ce bouton? Oh! Les filles sont bloquées. J'ai arrêté le temps. Génial! Oh, regardez ce que je fais. Je vais boire son cocktail pendant qu'elle est figée. C'est tellement bon. Et elle va manger ses citrons. Allez, hop. Et je vais aussi leur mettre du maquillage. Allez, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Un petit clown. C'est génial. Je crois que ça va leur plaire. Je vais remettre le temps maintenant. Emma, as-tu vu ton visage? Il est tellement drôle. Quoi? Qui m'a fait ça? Et Annie, c'est sûrement toi. Je suis super contrariée maintenant. Ah, oh, ça te va vraiment bien. Allez, tu peux aller à l'école comme ça.